La lettre de recommandation. Faut dire au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour tout le monde et bienvenue. Oh tiens, je peux acheter des Pokéballs, yeah, c'est génial. Oui. Achetons des Pokéballs. Et bienvenue dans ce Beaucoup. Nouvel épisode de Pokémon Bouclier. Donc on s'était arrêté la dernière fois sur un nouveau look et des nouveaux amis. Un nouveau look pour une nouvelle vie. Ouais. C'est quoi ça déjà? Je sais pas. Je sais plus. Et t'as reçu deux Honor Balls, ce qui est très cool parce que les Honor Balls sont de très jolies Pokéballs. Blanche. Et donc là, nous devons aller au bout de la route 2 toujours pour c'est aller. Après la route 1. C'est incroyable qu'on ait mis 3 épisodes avant d'arriver. Si on y arrive dans cet épisode-là, au labo du professeur. Non, mais ah non, parce que c'est à la maison du. Ça, c'est juste ridicule. Sachant okay. qu'on a quand même attrapé quelques Pokémon, ouais, qu'on ouais, on va refaire un peu notre équipe. Ouais, on a 3 Pokémon. Alors, il y a ceux qui sont cachés aussi, je sais pas ce que non, mais ça va être les. Ça peut être les mêmes, donc moi, je serais toi, je tu penses qu'il y a que 4 Pokémon différents dans cette zone-là? Je pense qu'il y en a plus, mais je pense que, tu sais, c'est genre, ah là, il y en a 3 communs et. Oh ah là 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 là. Oh, y, tu vas croiser son regard. Tu vas croiser son regard. J'ai Minisange en premier. D'accord. Mon Dieu! Je te regarde, tu me regardes? Alors, regarde! J'adore. Moi, j'attends de voir quand est-ce qu'on va tomber sur Alex, ouais. Le gamin. Christopher, le gamin, veut se battre. Est-ce qu'on connaît un Christopher? Non. Non. Okay. Christopher Lee, il est mort. Ah oui, Christopher Lee. Alors, Minisange, qui est niveau 5, c'est pas terrible. Et vous êtes tendu, vous pouvez plus manger de baie. Vous êtes tendu? Vas-y, pique-pique, tu lui défends sans quai. Arrogance, je sais pas ce que c'est. Tu veux tenter l'arrogance pour voir ce que c'est? Coup critique dans son cul. Et ben voilà, son cul est... Il utilise charge. Aïe. Et lui, c'est pas un coup critique. J'essaye arrogance. Ouais, mais oui, arrogance. Ok, c'est une attaque qui fait pas très mal. Aïe, je vais changer de Pokémon. Ouais, ouais, faisons ça, ouais. Je vais utiliser... Tu utilises Goupilou. Allez, vas-y. Allez, Goupilou. Et du coup, Goupilou, il a... Donc, Baston, c'est type ténèbre. Donc, c'est son type. Mimikyu. T'as plus de défense, enculé. Moi aussi, si je veux, j'utilise Mimikyu. Mais je vais pas le faire. Je vais plutôt utiliser Baston. Ouh, la texture sur la queue de Goupilou, elle est pas belle. Putain, mais c'est sérieux, je fais... Ah, oui, d'accord, de quoi. Voilà, comme ça on fait. Mais ouais, mais je fais pas beaucoup de dégâts. Blablabla. Si, en fait, ça continue. 5 fois. 5 fois. Fois, c'est efficace. Hein, faut espérer que ça tombe sur 5 fois. Et. Wow. Et il est sauvage, son gourmand là. Vas-y, vive attaque là. Vive attaque et. Vive attaque sa mère dans son cul, vas-y. Boum. Ok, la prochaine vive attaque, elle est bonne, c'est bon. Il aura pas le temps d'attaquer. Surtout qu'il me fait du Mimikyu. Ouais, ah, mais c'est ça aussi, il m'a bien baissé. Ouais, il a fait Mimikyu 2 fois sur Goupilou. Bim! T'es bien mignon, mais t'es mort! Oui! Yeah! Bien joué, Minisange! Oh, c'est chiant que ça remette pas les PV, Max. Bah non, mais c'est pour ça qu'il faut acheter des potions. Ouais. Pourquoi il faut toujours que je croise des gens plus forts que moi? De qui l'argent! Qui volent mon argent! Des Poké-Euros! Est-ce que j'utilise. Oui. Est-ce que j'utilise. Des potions? Des potions. Ah oui, il faut que j'ai... Bah, du fait de pas en avoir acheté, t'en as pas beaucoup. C'est vrai ce que tu dis. Et en même temps, voilà. Y'a que, ouais, que Goupilou qui a pris un peu dans son cul. Mais... Et Minisange, je t'avais pris aussi, mais... Allez. 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 On est bon. C'est bon, j'ai fini de potionner. Oh, oh tu fuis pas le combat, si. J'ai Spider-Man. Ah, il est plus fort que toi. La flemme. T'as pas réussi à fuir. Oh putain, et en plus on avait dit qu'il fallait qu'on aille à la maison qui est juste derrière. Allez. Bon. Bah t'as rien contre les Pokémon vol en plus. Bon, ouais, je vais en vous dire donc. Allez, en gourmand. Allez. Défraîchis-lui le farciès. J'espère que Rengourmand il évolue en un truc mignon. J'espère qu'il évolue.
Je pense qu'il évolue parce que... Remarque, Pachirisu, il a la tronche d'un Pokémon qui évolue, il évolue pas. Il y a un avion qui passe, désolé pour ça. Gros yeux, ça diminue l'attaque, c'est ça? Défense. La défense, donc c'est pas grave. Par contre, lui, quand il va m'attaquer... Ça va piquer. Vas-y, morsure, morsure, tu le mâchouilles, tu le mâchouilles. Arrogance. Et oui, ça ne fait rien. C'est pas une très bonne attaque, arrogance. Et tu le finis, vas-y. Hop. Pique, pique. Aïe. Ouais, d'accord. J'étais en train de me dire, mais oh. Oui, bah la critique, c'est facile, hein. Quoi? Encore un coup des critiques. Oh, oh yeah! Multi XP, on a bien fait de rester, tu vois, tu voulais fuir, mais. Oh, Goupilou a pris le visage. Goupilou, il va te tailler la bite en pointe. Ou les oreilles. Merci. Alex, tu peux pas sauter? Pourquoi t'es pas passé? Parce que je pensais que je pouvais sauter. Voilà. Il faut lire les panneaux! Ah, des potions. Conseil, les Pokémon obtiennent des points d'expérience en participant à des combats. Ils en gagnent aussi lorsque vous capturez des Pokémon sauvages. Ah bah ça c'est intéressant. Est-ce que tu peux sauter? Est-ce que je peux secouer les armes? Non, mais pas dans l'animal quoi. Ouais. J'ai fait un petit son. Je pense qu'il faut qu'est-ce que je passe qu'il a, par lui là. Qu'est-ce qu'il a lui? Il y avait un Pokémon qui avait des petites... Oh! C'est un Zigzaton Pardon. Un Zigzaton sauvage apparaît. C'est un Zigzaton de galère. Les Zigzatons de galère, ils sont fans de Kiss. Et il pourra pas manger de baie. Putain, il est est-ce qu'on prend un Zigzaton ou pas? Bah de toute façon je le capture. Parce oui, pour le... Voilà. Pour... Allez, pique pique. Pour la beauté du sport, vas-y. La merde. Pique 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 pique. Ok, c'était pas un coup de critique, ça c'est bien. Il lui met 3 attaques pique pique dans le cul et il va... Et il va pas faire le malin. Pique 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 pique. Peut-être pas en Peut-être faire une troisième. Peut-être pas 3, ouais. Bah utilise arrogance. Non, je vais essayer de la Pokéball bah, comme ça. Je suis une sauvage. Bon, bah comme tu veux. Tu vois comme, comme tu veux. Quelle heure il est? 15h24, c'est trop tôt pour goûter. Tu penses qu'à bouffer. Putain, t'as un rond gourmand. Ah, tu vois. On est en décembre, donc on s'est pas fait un petit signe de victoire, tu sais, de quand on arrive à capturer un Pokémon. Non, mais tu vois... Un truc genre, ouais, mais non, ça c'est trop. Ouais, qu'on soigne. On peut faire flux comme ça, flux comme ça, tu passes, hop, flux, là tu claques. Non, c'est pas fait. Et puis pouf. Non, mais ça va, j'ai plus 11 ans. C'est pas comme si je jouais à Pokémon. Ma première surprise. C'est à qui? Pokémon Petit Raton. Forme de Galar, c'est l'apparence originelle de Zigzaton, et donc la plus ancienne. Mmh. Il sème le désordre en courant partout, en zigzag, un peu comme... Le chouchouillon. Qui c'est qui a l'attaque, qui a la prise de zigzag Dolph Ziggler. Dolph Ziggler. On aurait pu l'appeler Dolph. Ténèbre est normal. Il a rejoint notre équipe. Pour l'instant, ouais, on le parce prend, que je pense pour que l'instant, ça va être le garde. Ça va être le premier à partir. Ouais. Oh putain, on va se battre. Moi j'aime bien visiter, j'aime pas me battre. Oh attention, t'as vu, il y a eu un petit... Ouais. Oui, de la gelée. Je vais te montrer comment... pardon, à la fois forte et élégante. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Michel Varuc. Je joue parce que c'est... Dramaturge. Elisa, la fillette, envoie un clockwork. C'est comme les Kellogg's. M'a fait découvrir voilà, les sketchs de Michel Varuc récemment. Ta collègue m'a fait découvrir juste avant. Et voilà. Du coup, elle a crié comme Michel Varuc et du coup, c'est drôle. Michel Varuc. Analogue. Alors, aiguisage, ça a pas l'air. Aiguisage, je pense que c'est un truc qui va augmenter ton attaque. Ouais, mais je vais lui faire des pic pic pic. Pic 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 pic. Charge. Ça va. Il m'a bien chargé. Ouais, ah, surtout qu'il n'y a qu'un seul Pokémon. Il est pas bon, c'est le premier que je... Comment elle s'appelait, elle? Ah merde, j'ai pas fait gaffe. Je me concentrer sur Michel Varuc et... Peut-être qu'elle s'appelle. Ah bah attends, on aura son nom à la... Oh. Alors ça m'a fait rire dans le précédent volet, donc le Let's Go Evoli, parce que moi j'avais le Evoli, parce qu'il y avait un moment Serge le pêcheur, et il se trouve que mon père s'appelle Serge et qu'il adore faire la pêche.
Du coup, c'était drôle. Moi, c'est toujours décevant. Les Alexis sont toujours décevants dans ce jeu. C'était pas le gamin. Je crois que c'était le gamin. Je crois que j'ai eu Alexis le gamin une fois. Alex. Je crois que c'est souvent c'est Alex. Ouais, mais une fois j'ai eu Alexis. Mais c'est peut-être pas le dernier. Lisa, la fillette. Lisa. C'est le destin. Dédicace Lisa. À tous les Lisa, à toutes les Lisa et tous les. Comment il s'appelait l'autre? Christopher. Christopher. Bon, elle a bien cassé les Pokémon. Oh là là. Soigne ton couvre. Soigne ton déhanché. Soigne mon mini-ange. Voilà, lui. Et en gourmand un petit peu, non? Ou zigzaton peut-être? Pourquoi il a une pierre de rappel? Oh, il a un objet sur lui! Ça rappelle, ouais. Attends, je vais lui prendre. Donne! Donne le rappel. Donne, lâche le rappel. Lâche le rappel, zigzaton, tu lâches le rappel. Déplacer un objet X. Quel objet voulez-vous déplacer? Où doit-il aller? Dans ma poche. Ben... je crois que c'est pas ça qu'il faut faire. Quel objet? Un rappel? Ouais, vas-y, prends, sélectionne. Où doit-il aller? Je crois que tu peux que le déplacer d'un Pokémon à l'autre. Ah bon? Je sais pas. Ah, là, c'est le passage où les gens qui connaissent le jeu s'énervent dans les commentaires. Il doit y avoir moyen de faire autrement, mais je sais pas comment. Bon, écoute, on va lui laisser son rappel. Il l'a bien dans la tronche. Voilà. Voilà. Il est content. Il est content. Bon, alors, du coup, lui. Attention. Comment il s'appelle? Kevin. Je parie sur René. J'ai pas réussi à battre Nabil, mais contre toi, j'ai toutes mes chances. Et... Harry! Tu es un... Il a un super t-shirt! Et l'autre aussi avait le même. Ah bon. Tu es un dresseur, Harry? Larvadar! Ah, t'es pas bon non plus! Non, si, ça va, en fait. Ça va. Ça fait comme si Alfred de Batman était une chenille. Ou puis avec Pic-Pic, tu vas lui défoncer le cul, parce que ça devait être un Pokémon insecte, j'imagine. C'est super efficace! Oh, bah oui, c'est un oiseau qui mange des insectes. Tiens, récupère ton chenipan de galère. Voilà. Oh yeah! Ah, il m'a envoyé un Goupilou. Ouais. Ouais, change. Qu'est-ce qui est efficace contre Goupilou, du coup? Par contre, les ténèbres, t'as les combats. Et je suis pas super au point sur mes types concernant les ténèbres. Écoute, je vais partir sur Whistempo parce que c'est quand même mon Pokémon de l'amour. Mais c'est celui qui a le moins besoin de s'entraîner. Bon, d'accord. C'est mon Pokémon de l'amour, tu le laisses tranquille, c'est mon petit Whistempo, chouchou chéri. L'autre, quand on va le revoir, il aura déjà évolué 5 fois et nous, on n'aura même pas, voilà, on n'aura même pas une forme évoluée de notre starter et ce sera. D'accord, ridicule. D'accord. Bonjour Goupilou, permets-moi de te tapoter la gueule. Tapotige. Viens, vive attaque. J'ai rien senti. Blu! Bâton. Oh! Tiens, fais mimiqueux, comme ça je tapotille. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête exactement? Mais je suis fatigué d'exister. Tu es fatigant. Griffe! Bim! J'ai battu Harry. Voldemort serait fier. Zigzator a monté de niveau, mais bon, comme il va pas. Kellocroc niveau 8. Qui a pris les chouilles? Zigzaton. D'accord. Bye. Donne-moi l'argent! Je perds contre tout le monde, même contre les Pokémon sauvages! Mais qu'est-ce que tu te balades avec 420 balles sur toi? T'imagines si c'était des euros? 420 euros, tiens. J'ai une canne à pêche. Ouais. Pêche. Lorsque vous voyez une silhouette à la surface de l'eau, lancez A dans la direction pour lancer votre ligne. Quand votre canne remue, appuyez de nouveau sur le bouton A pour sortir le Pokémon de l'eau. N'hésitez pas à pêcher dans. Voilà. Ok. Oh. Magikarp! Oh! On aura un éviateur de notre équipe, dit. Oui. Ouais! Oui. Attends, parce que si je le OS pas, parce que... ouais, aiguisage plutôt. Mais aiguisage, c'est... Non. Non, c'est arrogance. C'était putain, arrogance, pardon. Qu'est-ce que tu me fais faire? Ça va monter ton attaque du coup. Un def? Non, attaque. Qu'est-ce que je fais? Et ta précision. Classique! Ok. Bon. Ça, normalement, ça va pas le tuer, même s'il est niveau 4. En fait, j'aurais dû balancer une Pokéball direct. Bon, je suis désolé, je vais essayer d'en attraper un. Allez, essaye d'attraper. Qu'est-ce que c'est là-bas sur l'eau? Ah, c'est un poisson. Parce qu'ils ont aussi des poissons normaux? C'est un reliquante? Je crois que c'est un reliquante.
Ça ressemble à un reliquante. Allez. Ah merde. Ah merde. T'as chopé une tortue. En plus j'en ai déjà de ça. Ah mais oui. C'est dans l'eau et dans le... Oh vas-y Là, c'est ta une mère. Tortue. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Oh tu me défonces. Non. Oh. D'accord. Non mais je veux un... C'est bien qu'on voit la maison au fond. J'ai l'impression que chaque route va avoir son écran. Ah. Ok. Y a pas les shiny d'ailleurs non. Si mais on va pas se mettre à la chasse aux shiny. Ça va être plus long puis ça va être chiant à monter. D'accord. De toute façon j'ai pas encore les trucs pour chasser les shiny. Bon alors. Tu veux tenter le. Ouais. Okay. Ouais je vais tenter. Honor Ball. Bien parce que c'est tout. Oui. Allez. J'ai un Léviathan dans mon équipe depuis le premier. À chaque fois que je peux depuis le premier jeu. Du coup, il va falloir virer Zigzaton. Ouais, et mettre Magikarp. Et mettre Magikarp à la place. Ah, vas-y, lis. Lis Magikarp. Pokémon poisson de type eau. Ces Pokémon est si faible que dans les eaux à fort courant, ils se contentent de se laisser porter, lamentablement. Ah génial. Ça c'est cool. C'est cool. C'est dommage parce que là il avait un rappel. Oh remarque, je peux dégager ça. C'est quand même vilain ça. Puis c'est haut aussi. C'est vrai qu'à terme on va pas le garder donc ouais. Allez. On va pas le garder. Plus le garder, dit. On va pas le. On s'est compris. Bon. Je crois que j'ai vu son évolution à Kellocroc sur Foyer des écureuils. Pas des engouements. Allez. Bon. Là, c'est la professeure, putain, enfin. Ah putain, oui. Ah, c'est toi qui fais. Et donc, on a tiré cette histoire de Dynamax au clair. J'ai bien peur que non, tout le processus est d'abord très sérieux. Pour tout te dire, j'espérais confier les rênes de toutes ces recherches à ma petite fille, mais... Elle est si con. Tellement superficielle. Oh pardon, je n'avais pas remarqué que j'avais des visiteurs, c'est parce que je ne vois plus rien et je n'entends plus rien. Serait-ce une de tes amies, Nabil? Enchantée, jeune fille, je suis la professeure Manulia. Bienvenue chez moi, mes jeunes amis dresseurs, si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Je fais très bien les bonnes mamies. Ouais, c'est incroyable. Assez. Stupide. Amazing. Comme disent... Je vois que tu as trouvé un nouveau compagnon pour Moumouton, Nabil. Et si j'ai bien tout suivi, tu dois donc être Camillette. Ma petite Sonia a dû te confier un Pokédex, remplis-le bien scrupuleusement. Camillette, tu connais le Dynamax? Le professeur Magnolia étudie ce phénomène. Il va falloir que tu potasses sur le sujet si tu veux l'utiliser en combat, toi aussi. Dis-toi, potasse. Darax, cesse donc de bassiner tout le monde avec tes histoires. Tu fermes ta gueule, Darax! Pas que les Pokémon dans la vie, on pourrait parler de thé, ça nous changerait. Tu sais, le PNJ qui devient conscient, c'est genre, mais est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Dites, professeur, est-ce que vous voudriez bien convaincre Tarak de nous écrire une lettre de recommandation pour le défi des arènes? Non. Quoi? Mais comment ça? Tarak, pourquoi ne veux-tu pas les recommander? Mais parce qu'ils sont nuls. Nabil et Camillette ne sont encore que des enfants, ils ne connaissent rien aux Pokémon. Ils sont encore navets, SS. Maliberne, c'est toi qui parles tout le temps de faire de gala ou une réserve de super dresseurs. Ça ne risque pas d'arriver si tu ne fais rien pour les aider. C'est pas faux, j'avais complètement zappé cet aspect des choses. Après tout, si je leur ai confié un Pokémon chacun, c'est pour qu'ils s'entraînent. Je suis aussi débile que ma chevelure et mes habits. Bon, c'est décidé, si vous voulez que je vous recommande les Minus, va falloir assurer. Montrez-moi que vous en avez dans le ventre, je vous sauve vos Pokémon, et c'est parti. Pourquoi? J'ai un Magikarp dans mon équipe. Trop bien, je t'attends dehors, je t'attends une camillette. C'est toutes mes voix qui ont bugué. Arrête de fouiller dans les poubelles, y a rien dans les poubelles. Donc eux aussi ils ont un Kellocroc. Kello. Il fait bruit. Kello Giro. Oh. Ah. Quand on s'occupe des végétaux, il faut penser à leurs besoins plutôt qu'entretenir leur beauté à tout prix. C'est la seule et unique façon d'avoir vraiment la main verte. D'accord, j'en reviens. Ces plantes sentent vraiment bon. Les Pokémon doivent en raffoler. Donc, vous avez cette bougie sans bon, je suis sûr que mes Pokémon vont kiffer la manger. Ouais. Par une bougie qui sent bon. Sont remplis de livres sérieux traitant de sujets compliqués. Certains volumes rassemblent les recherches de la professeure Magnolia.
Voilà, elle croquille les photos. Ok. C'est très rose. C'est la chambre de qui ici? Ah pardon. Il y a plein de produits de beauté. Ah, c'est à la mode. Une brosse. Oh, et ses cheveux. Elle a un sticker de Volcoutou. Ah, c'est celle de Sonia. C'est la chambre. D'accord, ça doit être la chambre de Sonia. Je voyais pas la mamie mettre des stickers. Mais les stickers oh de Volcoutou. Oh, ça sent quelque chose de planqué là-dedans. Oh, oh. Et ouais, je vois. Vous trouvez la CT-57 représailles. Je sais pas du tout si c'est bien, mais tu l'as trouvé. Bon, déjà, ça, c'est cool. Le lanceur charge son énergie, puis attaque. La puissance est doublée si le lanceur agit après l'ennemi. Oh, bon, ça, c'est un peu le truc qu'il faut équiper sur un Pokémon lent. Ou un Magikarp. Magikarp ne peut pas apprendre d'attaque. Ouais, Magikarp, c'est le meilleur Pokémon. Mmh. Magikarp. Le meilleur Pokémon. Vous trouvez une Super Ball, yes. Et tout le monde sait ce que c'est, donc on va pas s'emmerder à le lire. C'est une Pokéball qui a encore plus... Oh. Oh. Une bouteille d'eau fraîche, parce que pourquoi pas. Une eau riche en minéraux, restaure 30 PV d'un Pokémon. Ah. Est-ce que je vous ai parlé de Rosanna? De l'eau de vie, elle est si bonne. Allez viens, Camillette, on doit se battre si on veut notre lettre de recommandation. Putain, il est... Non, il est pénible, hein, le... C'est chiant, le Mais vas-y. Je t'ai déjà dit, mais je trouve vraiment que tu as un énorme de potentiel. Je suis sûr que tu feras une viande parfaite pour Renabil. Quand je sais que je me suis planté en lisant, j'assume. Mon plan, c'est de devenir le dresseur le plus balèze du monde. Et pour ça, il faut à tout prix cette lettre de recommandation. Je vais montrer à mon frangin de quoi je suis capable. Yes. Et vas-y, tu lui mets le... Yes. Tu sors du fond vert. Ah oui. Ce... Un combat entre les deux jeunes dresseurs, ça m'intéresse. Ah, j'adore la jeunesse. Vous allez chier, justement. Déshabillez-vous. Si vous voulez devenir des dresseurs invincibles comme moi, vous devez apprendre à tirer une leçon de chaque combat que vous livrerez. Maintenant, place à la pratique. Prouvez-moi que vous êtes à la hauteur. C'est gênant. Pourquoi c'est gênant à lancer mon chrono. Alors, c'est parti, d'inhabile. Ah, putain, j'ai oublié de lancer mon chrono. Je sais pas combien de temps ça fait. Bon, bah, on arrêtera quand... quand on sortira, quand on a... Mais oui, il veut se battre avec ses cheveux en gelée, là. C'est bon, on a compris. Mon mouton. Il a 3 Pokémon, c'est tout. Il a que 3 mon... Putain, mais... Bah, c'est pas grave. Il veut être le meilleur dresseur, il me fait de la peine. Alors, t'as progressé? Laisse-moi vérifier ça. Mes cheveux sont vivants. Ils sont conscients. C'est de la gelée. Oui, de la gelée. Oui, de la gelée. Ah, j'hésite. Allez, pique. On va se partir sur Pic-Pic dans son cul, de toute façon, c'est... Bien, le Pic-Pic. Bim. Charge, donc ça, c'est nul. C'est nul, mais c'est mignon. Il est niveau 9, mon misange, dis-donc. Ouais, bah c'est... C'est vrai qu'il y a un Pokémon qu'on a capturé un peu à contre-cœur, pas vraiment à contre-cœur, mais... Dans le sens, bon, faut bien qu'on... Voilà, faut bien tous les attraper, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai pas de mouton? C'est vrai que t'as pas croisé de mouton encore. Sauvage. Et en même temps, est-ce que c'est le genre de Pokémon que tu garderas dans ton équipe? Oui. Ce que j'allais dire, je te propose qu'on ait... Ouais, Magikarp niveau 5, attention, c'est le début de la gloire. Je te propose qu'on ait un veto chacun pour un Pokémon dans l'équipe. Genre, si il va envoyer l'armée Léon, donc faut que t'envoies... Il nous faut un... Oui, un muscule. Ouais, elle a appelé Michel, non. Super attention. Efficace. Attention. Regarde, ta potiche dans ton anus. Ah, voilà. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Coup critique, oh ouais, en plus. Bah. Ah ouais. Un coup critique, vous rigolez pas, toi et ton Pokémon. Et c'est presque comme si j'allais jamais être un bon dresseur. Faut que l'armée Léon, ça me fait de la peine. Je suis désolé. Le pire, c'est le plan sur le Flambino à la fin, là, putain. Ok, Wistempo au niveau 11, Goupilou au niveau 9, Zigzaton au niveau 7, bam! Alors, Goupilou et Zigzaton, ok, personne n'apprend d'attaque. Personne n'apprend d'attaque. Il va envoyer un mini-ange, faut que tu changes de Pokémon. Et faut que t'envoies... Bon, personne en particulier, t'as deux Pokémon ténèbres là, c'est pas très utile. Mais on vient avec Zigzaton de toute façon. Bah, ben, on voit Rongourmand là qui s'entraîne. Rongourmand, c'est le Pokémon, c'est à un moment donné, il va falloir virer, ça va me faire beaucoup de peine. Ça va être serré comme combat, j'adore quand c'est comme ça. Non, ça va... On est en train de t'écraser, mec. Il
La niveau 5, mais énorme. Est-ce que tu penses qu'il faudra arrêter l'épisode après ce combat? Peut-être. On va faire ça. Je suis désolé si c'est beaucoup plus court que d'habitude, j'ai oublié de mettre le chrono. Dis ça à chaque fois. Je l'ai bien croqué le cul. Voilà, voilà. Allez, vas-y, fais-moi tes gros yeux. C'est bien serré comme combat. Donne très envie. Oh là 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 là, mais c'est bon. Tu t'es fait humilier. Moi j'ai mal pour ces Pokémon, tu vois, d'être tombé avec ce type là. Il veut être le top dresseur, mais. Oh, je suis un peu deg d'avoir perdu, mais ça prouve que t'es une rivale à ma hauteur. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Poké-euro, ça c'est beaucoup. Ah, Poké-dollar. Je pourrais m'acheter au moins un coup. Mais je comprends pas, j'ai bossé mon lancer de Pokémon comme un ouf. Mais après tout, peu importe de gagner ou perdre, il faut passer par les deux pour progresser. Vaut mieux gagner quand même. Ça c'est bien, un dicton de loser. Quel combat, j'en reviens pas. Allez, c'est décidé, je vais vous la donner, cette lettre de recommandation du maître. Même à lui. Ah putain. Ah mais il a son short quoi, putain. Ce short number one. It's just style. J'aime, okay. J'aime beaucoup le style pixelisé, sprite, vieille génération sur les objets. C'est vrai que c'est chouette. Oui. Ouais, merci frangin, je vais pas te décevoir, je vais trop le gérer ce défi des arènes. Vous avez encore des lacunes, surtout lui. Niveau technique, mais on sent bien votre passion pour le combat. Sens bien ta passion. Quand je repense à l'époque où tu te prenais la tête avec ton lancer de Pokéball, Nabil, tu as mûri depuis, c'est bien. Quant à toi, Camillette, j'attends de grandes choses de ta part. Ça y est, on est officiellement en lice, il faut qu'on se donne à fond pour devenir maître. C'est clair. Plus on fera de combats ensemble, plus nos Pokémon deviendront forts. C'est clair. Eh mais, c'est quoi ce truc? Tu cries fort, quand même. C'est une comète. Oh, bah non, c'est pas une comète du tout. Regardez, quelqu'un a chié dans mon jardin. J'ai ramassé. Oh, Gaviette, des étoiles veux. Regarde, il y en a deux, ça tombe bien. Allez, tiens, je t'en donne une. Une gemme au pouvoir mystérieux que l'on trouve dans la région de Galar. On raconte que le vœu de la personne l'ayant ramassé se réalisera. Bonjour. Je veux plus jamais voir d'habitude. Je suis développeur de jeux vidéo et je suis très paresseux. Avec une étoile vœu, on peut dynamaxer nos Pokémon, nous aussi, putain de merde, c'est vrai. C'est littéralement un truc qui tombe du ciel, ok, très bien. Génial. Ta gueule, c'est magique. J'en reviens pas. On raconte que les étoiles vœux tombent pour ceux qui souhaitent quelque chose plus que tout. Je veux devenir le meilleur dresseur. Je veux devenir le meilleur dresseur. Je veux devenir... C'est bon, je l'ai répété trois fois, maintenant c'est sûr, mon vœu va se réaliser. Je suis con. Les étoiles vœux sont le drôle de pierre enfermant un pouvoir encore méconnu. Ce sont l'une des ressources les plus précieuses de tout Galar. Mais sous leur forme brute, on ne peut rien en faire. Donnez-moi, je vais vous les préparer. Avec du thé. Oh, c'est vrai, vous êtes une spécialiste de Dynamax, professeur. Merci, madame, c'est gentil de nous aider, moi et Camillette. D'accord, le combat, non? D'abord le combat contre le Pokémon mystérieux dans d'accord, la forêt le de Sleepwood. Et maintenant ça... Ça sent bon l'aventure, tout ça! C'est comme si on était dans un jeu vidéo! Du calme, Nabil, tu es excité comme un carapuce! Tu ne vas pas dormir ce soir si tu continues. Et demain, tu as de la route. Ferme ta gueule, Nabil. Ah. Eh ben, c'est quoi tout ce ramdam? On dirait que je suis ma pique, moi. À Pikachu? À Pikachu. Vous avez mangé, les loupiaux? Parce que je me ferais bien un petit curry. C'est le truc à la mode en ce moment, tout le monde ne parle que de ça. La mode du qui parle du curry quoi. C'est quoi la mode du curry? On va peut-être arrêter. Attends, attends, juste vois ce qui se passe et ouais. Et si non, bah attends, il y a une petite cinématique. Ah bah c'est toi qui as parlé. Enfin le matin, notre aventure va commencer pour de vrai. Bonjour à vous, jeune dresseur. Nabil, raconte. C'est vrai que vous avez rencontré un Pokémon mystérieux. Allez, dis-moi tout. Mais pas grand-chose à raconter, j'ai presque rien vu avec tout le brouillard. Camillette a essayé de combattre le Pokémon en question, mais à la fin, on s'est évanouis. Franchement, c'est flou. Sérieux? C'est bizarre. C'est bulle bizarre. La bulle, Camillette, j'ai quelque chose pour vous. C'est du thé. C'est une photo de ma bite. Elle est belle, sa canne. Oui, c'est une belle canne. Oui, c'est belle canne, perfect. Oh, elle nous a fait un bracelet, mamie. Vous recevez un poignet de Dynamax de la part de la professeure Magnolia. Quand elle se trouve près d'une source d'énergie, l'étoile vœu sertie dans ce poignet brille, ce qui permet de donner à un Pokémon sa forme Dynamax. Oh. Ce sont des poignets Dynamax. Merci. Je les ai façonnés à partir des étoiles vœux que vous avez trouvées. Merci, professeur.
Trop stylé. Hey, maintenant, je peux dynamaxer mes Pokémon comme mon frangin. J'ai mal aux oreilles. Patience, Nabil. Dynamaxer ces Pokémon n'est pas si simple. Pour qu'ils puissent prendre de telles proportions, il y a plusieurs conditions à réunir. Profitez de votre voyage pour visiter toutes sortes d'endroits et rencontrer autant de Pokémon que possible. Cela vous aidera aussi à remplir votre Pokédex. On va entrer dans l'histoire avec un grand onche. Allez, Camillette, on fait la course jusqu'à la gare. Viens. Vas-y, cours, je te regarde. Ok, l'épisode s'arrête ici, les gens. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très bientôt pour... Enfin, la semaine prochaine pour l'épisode suivant. Et bonne soirée à vous. Oui, au revoir. Allez. Au revoir. Allez. Non, venez pas. Allez, vous en...